Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de juin 2022. On y va? Ici, pour certains, on vous demande d'avoir confiance, de garder la foi, mais surtout d'avoir confiance en vous. Ici, on nous parle de révélations, de surprises, de choses un peu surprenantes qui vont se manifester un peu partout sur votre chemin et des choses qui vont réellement vous permettre de voir que vous êtes ultra connecté malgré ce que vous pensez. On a vraiment l'impression ici, tu vois, que le fait de ne pas forcément être attentif à ce qui se passe autour de nous, mais ça peut un peu nous induire en erreur par moment. Se dire peut-être ils m'ont abandonné, les guides des anges, et puis peut-être Dieu, et puis peut-être l'univers, tu vois, comme si on ne me regarde pas. Des fois, on ne voit pas que j'ai besoin d'aide, on ne voit pas que je suis en souffrance. Pour certains, je pense que c'est vous qui ne voyez pas forcément ce qu'on peut vous envoyer, voyez, en termes de synchronicité, en termes de signes. Peut-être qu'on n'arrive pas forcément à percevoir hein, la vérité dans certaines situations. Et du coup, tout ça peut nous mettre un peu sans dessus-dessous. Mais ici, on dit, il y a des choses surprenantes qui vont te montrer que peut-être qu'il y a plein de choses qui t'ont peut-être interpellé sur ton chemin jusqu'à maintenant. T'as vu, ça m'a fait réfléchir l'espace d'un instant et puis j'ai laissé de côté et tu vas voir que toutes ces choses vont revenir. Tu sais, c'est comme si tu avais vu des mots un peu à gauche, un peu à droite et puis tu dis mais pourquoi je vois ces mots? Pourquoi je vois des phrases comme ça un peu partout sans forcément pouvoir expliquer le contexte, comment ça va arriver, quand ça va arriver, mais quand les choses vont se manifester, ce sera beaucoup plus clair. On était déjà comme en train de te montrer ce qui était en train de se préparer pour toi, sauf que tu n'avais pas forcément conscience de ça. Mais là, pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on comprenne, vous voyez, que mais tout était déjà prévu et que tout allait bien. Ouais, c'est vraiment ça. Attends. Ouais, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on va vous permettre d'ouvrir les yeux dans pas longtemps. On a vraiment cette sensation ici qu'on a envie d'une nouvelle vie, donc de se retrouver, tu vois, dans de nouvelles situations, d'avoir une vie à la hauteur de nos espérances, mais que du coup, c'est un peu flou toutes les informations qu'on pouvait recevoir depuis un petit moment. Ici, on a l'impression, bon, on risque de devenir de plus en plus clairvoyant pour certains, mais je pense qu'aussi, vous voyez, avec la nouvelle vie, on a l'impression que on va vivre davantage dans la vérité. Tu vois, comme si on va refuser de se voiler la face. Non, 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 j'ai vu qu'il y avait un truc dans la situation, je vais faire le nécessaire pour la régler. Je sens que je pars un peu dans tous les sens, hop, je vais faire le nécessaire pour me recentrer. Tu vois, comme si on ne va plus essayer de fuir ce qui nous dérange et j'ai l'impression que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Déjà, on nous dit que c'est un cadeau le fait d'être de plus en plus clairvoyant, mais on a l'impression que le fait de pouvoir se reconstruire en plus sur des bases solides, ça va nous permettre, vous voyez, comme de casser des schémas un peu négatifs et répétitifs dans lesquels on était, tu vois, depuis un petit moment et qui ne nous permettaient pas forcément d'être bien avec nous-mêmes et avec les autres. En tout cas, ici, on nous dit c'est bientôt l'heure du départ. Pas bientôt, on nous dit c'est l'heure du départ ici et que ce sera, j'ai envie de dire, dans pas longtemps pour toi. Ça sera enfin ton tour, tu vois, de pouvoir te reconstruire au niveau sentimental. Pour certains, pour d'autres ici, on a l'impression que c'est niveau clairvoyance, peut-être on a pu poser des demandes en sens, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'autres petites choses, vous voyez, qui vont venir nous montrer petit à petit que, tu vois, tu n'as jamais été seul, en fait. C'est pas parce qu'on ne parlait pas qu'on n'était pas forcément à côté. Donc, on a vraiment l'impression que pour certains, on va vous demander de vous poser une question. Pourquoi tu penses tout le temps, tu vois, qu'on n'est pas à tes côtés? Pourquoi tu as toujours cette croyance, cette pensée qui dit qu'on ne t'écoute pas, qu'on ne te réalise pas, qu'on ne fait pas le nécessaire pour t'aider ou pour te mettre, j'ai envie de dire, face à de nouvelles personnes? Des personnes qui pourront te convenir ou des opportunités qui pourront réellement te permettre d'être en joie. On a l'impression qu'il faut qu'on arrive à démonter cette croyance et pour démonter cette croyance, ben on est obligé, tu vois, de se plonger dedans. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tout est impossible pour moi alors que c'est possible pour les autres? Pourquoi j'ai tout le temps l'impression, tu vois, que ma vie ne sera que souffrance, que tristesse alors que tout le monde a le droit au bonheur? Tu vois, c'est vraiment ça. Pourquoi tu te mets toujours à part du lot? Hein? Pourquoi ce qui est bon pour les autres ne pourrait pas être bon pour toi? C'est vraiment ça. Donc là, je pense qu'il y a des croyances, vous voyez, qui vont être démontées dans pas longtemps, des situations ou des blocages, vous voyez, qui vont sauter, qu'on doit lever de toutes les façons. Ça va énormément vous aider au niveau de la clairvoyance, mais ça va aussi énormément vous aider dans votre vie sentimentale, pour certains. D'accord? Donc on va regarder ça. Ouais.
Et c'est pour certains, on vous dit qu'il y aura des choix à faire. Des choix à faire pour qu'on puisse aller vers du renouveau, mais aussi des choix à faire, vous voyez, pour notre épanouissement personnel. J'ai vraiment l'impression ici, tu vois, que on a l'impression que... Attends. C'est comme si ça ne nous était pas dû, en fait. T'imagines? C'est comme si tu avais passé, j'ai envie de dire, des mois et des mois en train de planter, de semer des graines, et puis que tu te disais, je ne suis pas obligée de récolter, quoi. Non. Ça, c'est pas normal. Alors que j'ai travaillé pour ça, alors que j'ai fait tout, tu vois, j'ai tout préparé, j'ai tout bien semé, tu vois, j'ai fait le nécessaire, j'ai arrosé, peut-être même des fois pour que ça pousse. Et puis je me dis, je suis pas obligée de pousser. Mais attends, tu as tout fait bien. Tu as tout mis en place. Donc c'est exactement la même chose, tu vois, par rapport à ton épanouissement personnel. J'ai décidé peut-être de travailler sur moi, j'ai décidé de changer certains paramètres, de casser certaines croyances, de faire sauter certains blocages, mais c'est parce que je voulais un petit mieux derrière, ou bien même un gros mieux. C'est parce que j'avais envie de me retrouver dans quelque chose de différent. Donc oui, ça a peut-être été éprouvant par moments. Oui, j'ai peut-être beaucoup douté, mais ça ne veut pas dire forcément, tu vois, qu'il y aura des obstacles tout le temps dans ta vie. Et pour certains ici, on a l'impression que c'est toujours ça pour nous, tu vois. Tu sais, comme si on se disait toujours, mais moi j'aurai toujours des obstacles, il y aura toujours un hic dans ma vie. Et puis niveau clairvoyance, moi je pense que je vais abandonner bientôt parce que je vois rien, ou bien que je vois flou. Non! On vous demande de regarder différemment. L'observation, l'intuition. C'est parce que des fois, tu n'es pas suffisamment dans l'observation que tu ne vois pas ce qui est en train de se passer. Et le fait de ne pas être dans l'observation te laisse croire qu'il n'y aura pas de changement. Alors que si tu es zen, si tu arrives à maîtriser, j'ai envie de dire, tu vois, tes pensées, ou que tu arrives à être davantage dans l'instant présent, tu verras que, en fait, il y a tout autour de moi, quoi. On m'a déjà tout donné, toutes les réponses dont j'avais besoin. Donc, qu'est-ce qu'il me faut encore? Tu vois? Qu'est-ce qu'il me faut encore? Est-ce que c'est à moi de me centrer? Est-ce que c'est à moi de me poser, de me calmer, histoire que je puisse obtenir ce que je veux en termes de réponse? Ou au contraire, est-ce que c'est au guide de faire davantage, tu vois, pour m'envoyer des messages compréhensibles, clairs, que je puisse enfin être posé dans ma tête? Pour certains ici, on voit qu'on est très, très, très inquiet, vous voyez, pour tout ce qui est finance. Tu vois, on n'arrête pas de faire des petites synthèses, des petits bilans, se demander est-ce que ça va s'améliorer, est-ce que, mais tu sais, j'aurai mon augmentation, est-ce que ça va bien se passer pour moi dans les prochains temps, est-ce qu'un jour je pourrai partir en vacances, est-ce qu'un jour je pourrai être posé dans la joie, dans le bonheur. Ici, on vous dit oui. D'accord? On nous parle d'épanouissement. On nous parle de période positive, d'évolution. D'accord? Donc on parle réellement pour moi de situations pour certains où ici on voit des obstacles partout parce qu'on est focalisé sur les obstacles. Si j'étais focalisée sur le positif, j'aurais vu les situations, en plus les solutions, les opportunités, les messages, les synchronicités, j'aurais pu les interpréter, tu vois, de manière totalement différente. De toutes les façons, ici, on nous parle d'un message, d'un coup de fil, d'un courrier important qui arrive et qui vous permet de réaliser que, ah ouais, c'était vraiment positif, en fait, c'était pas une blague. Les choses étaient réellement en train de se préparer là, ou des fois même c'était déjà là, mais sauf que je ne le voyais pas forcément parce que j'arrive pas à mettre de limite, tu vois, à mon cerveau. C'est vraiment ça, à mon mental plus. J'arrive pas à rester stable et à me dire c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je peux rester au calme. Donc on a vraiment l'impression ici que pour certains on a aussi des démarches, tu vois, en lien avec la justice, tu vois. Ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à une situation sentimentale et on a vraiment l'impression ici que... Tu sais, c'est comme si jusqu'à maintenant, je fais profil bas. Le truc qui traîne, le truc qui, tu vois, il m'embête. Hein? J'ai décidé de le régler alors que je n'avais pas bougé jusqu'ici. J'ai décidé de le régler. Ben, hop, j'aurai une réponse positive. Tu vois, une réponse qui va me montrer que la personne en face de toi qui bloquait peut-être les démarches, qui n'avait pas envie, tu vois, que les choses se fassent, qu'elle n'avait pas forcément envie de la séparation, elle n'avait pas forcément envie, tu vois, de devoir partir avec une autre personne. Donc, elle a pu te ralentir. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu avais mal fait les démarches. Ça ne veut pas dire que toi, tu devais rester souffrir toute ta vie. Bien au contraire, on a quelqu'un de l'autre côté, pour certains, qui n'avait pas envie de vous voir partir. On a quelqu'un, pour moi, qui n'a pas envie de vous voir dans une situation positive. Si tu es dans une situation positive, tu te retournes, tu t'épanouis. Moi, je serais un peu mal en point de l'autre côté. C'est vraiment ça. Et on a exactement, vous voyez, alors à peu près, vous voyez la même situation au niveau du travail. On a l'impression ici qu'on va vous empêcher de quitter un environnement professionnel pour certains parce qu'on a encore besoin de vous. Bon, on sent qu'on n'a pas été, j'ai envie de dire, peut-être bien traité tous les jours. Alors quand je dis bien traité, attention, il n'y a pas eu de maltraitance, mais c'est, tu vois, il y avait des ambiances un peu tendues, ou peut-être que des fois, dans certaines situations, on pouvait mal nous parler ou ne pas du tout nous considérer. Et puis du moment où vous allez commencer à dire, mais moi, je vais commencer à partir, tu vois, tu vas voir que les gens, ils vont commencer à changer.
On parle vraiment pour moi de situations pour certains où j'ai l'impression qu'on ne regarde pas forcément les situations comme elles sont, mais plus, tu vois, avec notre imagination, avec des suppositions. Et c'est ce qui nous, tu vois, c'est ce qui nous induit un peu en erreur. Ici, on vous demande comme de rester attentif, d'accord? Attentif, attentive, vous voyez, vraiment à ce qui se passe autour de vous. On a l'impression ici que pour certains, c'est comme si on avait croisé, rencontré une personne et puis tout était bien engagé, c'était la joie, c'était le bonheur. Le seul truc, c'est que c'était un truc éphémère et que du coup, on ne partait pas forcément pour construire quelque chose. Et là, on a commencé à se remettre en question et puis à se dire, mais si tu m'as mis un stop, ça veut dire que j'étais nulle. Si tu n'as pas continué avec moi, ça veut dire que j'étais pas bien. Si tu as continué, j'ai envie de dire, dans ton foyer, avec ton mari ou avec ta femme, ça veut dire que j'étais nulle. Au final, pour certains, vous êtes en train de vous briser le cœur tout seul, hein, par moment. Ouais. C'est juste que tu n'interprètes pas forcément les situations, j'ai envie de dire, comme elles sont. Et toi, de ton côté, tu vois, tu n'étais pas coincé dans une situation sentimentale parce que pour certains, ici, on a l'impression qu'on n'était même pas à trois, on était à quatre. Tu vois, on a l'impression ici que cette personne, elle a pu vous faire des propositions que vous avez pu refuser. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que j'étais trop nulle, parce que j'étais pas bien. C'est moi qui ai refusé certaines situations. Il faut que j'arrive à me l'avouer. Des fois, si je me sens un peu isolée, tu vois, il faut dire ce qui est. Des fois, je m'isole seule parce que ben, je me fais des films, parce que je suis un peu dans les suppositions. Mais ça, c'est le mental. Et ce qui est bien, vous voyez, c'est que vous arrivez à le voir parfois. Vous arrivez à réaliser que, pff, il faut que je me pose parce que je pars dans tous les sens. Il faut que je me pose parce que, tu vois, on a vraiment l'impression ici qu'on vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour être au calme, mais que vous continuez, vous voyez, comme à chercher la petite bête dans chaque situation pour essayer de démonter les intuitions ou les informations, les messages qu'on essaie de vous envoyer. Et c'est pour ça, par moment, pour certains, que vous êtes totalement embrouillé, que vous ne savez plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui n'est plus bien. D'accord? Donc on reste zen, on reste calme, et on arrête de faire des suppositions. On se base sur ce qui est, tout simplement. D'accord? Donc ici, pour certains, on nous parle de situations où on sent qu'on est comme dans un entre-deux. D'un côté, on a envie, tu vois, de partir vers quelque chose de nouveau. Et puis de l'autre côté, on se dit, ouais, mais j'ai un petit truc pour une personne là que je n'ai pas forcément envie de laisser partir. Tu vois, comme une situation, on a l'impression que c'est un peu compliqué à mettre en place, mais comme une situation, tu vois, qui nous fait qui nous fait vibrer. On a l'impression que ça nous brise. Tu vois, l'idée de ne pas pouvoir construire quelque chose avec cette personne, ça nous met dans le mal de penser, tu vois, qu'il n'y aura pas forcément d'évolution dans cette situation sentimentale. On a réellement cette sensation ici, tu vois, qu'on s'attend à une surprise, que les choses se débloquent, tu vois, un peu du jour au lendemain, puis qu'il n'y ait plus de perturbations, et puis que, voilà, il y a des invitations, on passe du temps ensemble, et puis c'est la joie et le bonheur. Pour certains, on vous demande de prendre en compte réellement la situation comme elle est. D'accord? Ta situation personnelle, la situation de l'autre, déjà, ça va vous permettre de vous apaiser. Ok, pour ceux qui sont à 4, parce que pour moi, pour certains, on est à 4. Vous êtes à 4, ça veut dire 2-2. Ça veut dire même des fois, il y a plus que 2-2, tu vois, de chaque côté. Il peut avoir des enfants, tu vois, il y a tout ça derrière. On a vraiment l'impression ici qu'il faut qu'on puisse prendre en compte ce côté-là. D'accord? Il faut réellement qu'on puisse se demander déjà, nous, dans un premier temps, afin d'arrêter de tourner en rond à l'intérieur, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je continue dans mon foyer ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, de me détacher déjà pour ma propre personne? D'accord? Si la réponse est non, c'est que j'ai encore, tu vois, du temps à passer auprès de la personne avec qui je suis, que j'ai encore des choses à régler, que j'ai besoin de me mettre d'accord avec moi-même. Je ne vais pas attendre, tu vois, que l'autre décide de se séparer pour dire, moi aussi, je me sépare pour que je puisse aller là. Non. Je me mets d'accord, tu vois, avec moi-même dans un premier temps. Et on a l'impression que c'est ce que la personne en face de vous, elle est en train d'essayer de faire. Tu vois, ici, on a un oui. Donc, on a vraiment l'impression ici que c'est une situation où tous les deux, hein, vous pouvez être un peu embrouillés comme ça, à vous dire, mais non, c'est pas si elle veut pas de moi. Et puis, non, il veut pas de moi. Et puis, ça veut dire, on est nuls tous les deux. Et puis, ça veut dire, on ne pourra jamais savoir. Non, chaque personne doit se mettre d'accord de son côté avant. D'accord? Je ne vais pas me séparer ou laisser ce que j'ai pour une personne. Non, si je me sépare, c'est qu'il y a déjà des choses qui clochent. Donc, je vais passer par la séparation. Et par la suite, tu vois, je verrai si oui ou non, tu vois, j'irai vers une autre personne. C'est comme si on nous demandait de faire les choses dans l'ordre. D'accord? Parce que ici, on a un oui, c'est pas anodin. C'est que la situation, tu vois, on a la possibilité de la vivre encore comme ça. Mais si personne ne bouge de son côté, s'il n'y a pas de conversation, d'échange pour une construction stable, ben c'est sûr, tu peux faire toutes les démarches que tu veux de ton côté, l'autre ne bougera pas si on n'a pas eu de conversation, d'échange, si on ne s'est pas parlé de manière sérieuse, honnête et posée. Tu vois? C'est vraiment ça.
Donc, on a réellement des situations où on sent que vous avez un coup de cœur de fou pour une personne, on sent que c'est une histoire, oh là là, ça fait tourner la tête, mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où on doit quand même passer par de la communication si on veut voir que cette situation, elle change. Pour d'autres, ici, on a l'impression, vous voyez, qu'on est comme dans une situation où j'essaie de retrouver mon équilibre suite à une séparation. Ici, on vous dit oui, hein, pour certains. Pour ceux qui, tu vois, je veux sortir d'une histoire un peu complexe pour me construire avec une autre personne, oui, tu auras la possibilité, d'accord? Et on parle vraiment pour moi d'une situation, il faudra que tu laisses parler ton cœur, mais il faudra que tu laisses, que, en tout cas que tu partages avec la personne en question, tu vois, ce que tu as réellement envie de faire ou de mettre en place pour ta vie sentimentale, parce que c'est uniquement comme ça que ça va fonctionner. Sinon, on risque de se retrouver encore dans un truc où on tourne en rond, on ne sait pas avec qui on est, on ne sait même pas si on pourra construire. La discussion. Vous voyez, la communication, c'est ce qui va vous aider, j'ai envie de dire, dans les prochains temps. Et même pour ceux qui sont bien posés, vous voyez, en relation, puis que parfois on a un peu des petites prises de tête, ben là aussi, c'est un peu de communication pour voir les choses s'arranger, parce que ben, on a l'impression que vous êtes des amours. C'est vraiment ça, d'accord? Donc on a envie de passer du temps avec vous, on a envie d'être avec vous, mais vous devez aussi prendre conscience du côté, je peux être un peu désagréable, tu vois, ou je peux partir vraiment dans tous les sens, surtout quand je ne comprends pas les situations ou sans se cacher de certaines situations. C'est vraiment ça, d'accord? Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.